Hi, what's up tout le monde, c'est Day Production. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo unboxing test. On va tester aujourd'hui un petit truc que je me suis pris récemment car ma manette m'a lâché. Donc chez le magasin je me suis pris cette petite manette, la dernière manette professionnelle entre guillemets de chez Xbox, donc la Elite Series 2. Donc on va la déballer maintenant, let's go. En ce mini d'un petit couteau, hop, donc on a une belle petite présentation. Le seul truc qui gâche, bon, c'est le vert. Je suis pas fan du vert, mais bon, ça c'est chacun les goûts et ses couleurs. Ça arrive comme ça, donc on a un beau petit petit boîtier, quoi, bien sympa. Donc j'ai posé ça là. Donc là, on est sur du basique, hein, sur un coffret comme ça. Donc, en général, toutes les manettes à palette sont livrées dans un étui un peu plus spécial et original que les autres. Mais avant, du coup, on va quand même regarder ce qu'il y a dedans. Parce que ça m'a l'air quand même bien lourd. Voilà. Et effectivement, du coup, il y avait bien hop, ceci à l'intérieur. Je dis comme tout. Donc du coup, les fascicules, je suppose. T'as si lourd de fascicules, frère ? Tout ça pour dire, wesh, c'est une manette, utilise-la, cool, c'est cool. Ah, il y a peut-être des trucs intéressants. Est-ce qu'il y a un truc Xbox Game Pass? Un petit code Xbox Game Pass, donc si vous arrivez à le voir, tant mieux pour vous. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais je suppose qu'il faut avoir une Xbox. Donc s'il est flouté, c'est que je m'en suis servi. S'il n'est pas flouté, c'est que bah, c'est pour vous, c'est gratuit. Ici, vous allez voir du coup dans ce petit truc les câbles, je suppose. Petit câble USB-C. Ouais, très très beau. J'aime beaucoup tous ces types de câbles là gainés avec des coups de petites rayures, c'est vraiment très beau. Du coup, la petite boîte qui nous intéresse le plus, donc hop. Donc voilà comment ça se présente. Superbe manette. Hein. Le premier abord, elle est très très belle. Moi j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai choisi celle-là. Et voilà. Hop, petite caméra là-bas. Donc j'ai pris cette manette pour trois raisons. La première, c'est que en général, les manettes à palette, elles ont tout un problème au bout d'un moment. Il y a très peu de manettes qui ont pas de problème, du genre, moi, l'ancienne, le joystick, il avançait tout seul même si tu faisais rien. Vraiment que les manettes de chez les constructeurs de consoles qui tiennent la route, quoi. Et là, déjà, premier abord, on a une manette qui est plus petite que celle que j'avais, donc qui était la Nikon Revolution Unlimited, je sais pas quoi. Elle est plus petite, plus agréable déjà à prendre en main, de ouf, clairement. Les sensations sont très bonnes sur la prise. Alors après, moi j'ai les mains assez grandes. Les gâchettes sont vraiment hyper accessibles. Une bonne manette déjà au premier abord. Donc ça, c'est pour la manette. Deuxième raison du fait que j'ai choisi cette manette. Donc il y avait la première, que les autres n'étaient pas forcément fiables, pour à peu près le même prix. La deuxième, c'est qu'il y a 4 palettes. Et moi, je me suis habitué du coup avec l'ancienne à avoir 4 touches raccourcies. Donc la majorité, c'est 2, donc c'est pas foufou. Troisième, c'est que je l'ai trouvé hyper belle, franchement, elle est vraiment très très propre. En plus, c'est du type C, donc c'est très bien. Si j'ai pas le câble d'origine, ça peut très bien le faire. Et j'ai vu qu'aussi, il y avait un petit dock de recharge, juste là, qui fait que c'est vraiment cool, et je vais vous montrer ça tout de suite. Ici, on a le reste, donc le joystick. Donc là, le dock de recharge. Des joysticks de rechange. Ici, du coup, il y a un petit dock de recharge qui est soudé, même pas du tout. Ah, ça c'est vraiment trop cool. Du coup, c'est un dock de recharge où du coup on le met ici du coup sur le petit USB là, on vient le brancher juste là. Ensuite, on vient poser la manette dessus, ce qui fait qu'on n'a jamais à. Enfin, après, on n'a plus à essayer de brancher la manette, quoi. Ce qui peut être très très sympa. Et aussi, du coup, petit plus, c'est quand on le fout dans le boîtier, du coup, on a un petit trou juste à l'arrière, juste ici, là, qu'on peut dézipper, déclipser. Et du coup, on vient brancher le câble à l'intérieur, ce qui fait qu'on peut poser la manette dedans directement. Clip, refermer, comme ça au moins elle est protégée de 100%. On va voir un petit peu les joysticks. Donc ils sont fixés dans le petit socle ici en caoutchouc. Alors de ce que j'ai compris, ce sont des joysticks qui sont aimantés. Donc du coup, on va essayer tout de suite, on va essayer d'en enlever un. J'ai très peur de la caisse.
Ah oui, effectivement, ça c'est venu tout seul là, tout d'un coup. Et du coup, j'ai juste à le... Et voilà. Alors, faut forcer un peu. Bon, après, c'est le genre de truc qui va tenir largement quand on va jouer. Hein, voilà, y a pas de problème, vous pouvez le voir. Hein, j'y vais un peu comme si je jouais ma vie sur le jeu. Au moins, il n'y a pas de système de clips, donc il y a très peu de chances que ça se casse au cours du temps, à force d'enlever, remettre ou pas. Donc, pourquoi pas? Dans la petite boîte, on a d'autres joysticks, donc il y en a un qui est vraiment plus grand. C'est celui-là. Franchement, j'ai jamais utilisé ce genre de joystick plus haut que la normale. Il y en a un qui est dommé. Il y a des petites flèches directionnelles qui sont les traditionnelles. Donc ça me va très bien, je pense. Sans la finition premium, tout est là. C'est quoi? C'est même pas du plastique. On a l'impression d'avoir une pièce en aluminium dans les mains. Et effectivement, voilà, on peut du coup retirer le petit pavé d'avant. On a une mini du coup croix à caparella là sur laquelle on va pouvoir venir clipser du coup le deuxième. Hop, comme ça, et c'est fait. Voilà, il n'y a pas de... C'est aimanté, c'est très bien. Et là, du coup, on se retrouve avec les flèches normales. Ici, du coup, on a une petite clé juste là. Ici. Bah, je sais pas s'il y aura le focus, hein, je sais pas la vue sur ça. Donc, une petite clé qui permet du coup, quand on enlève le joystick, d'aller venir la glisser ici, dans cette petite étoile. Juste là, qui permet du coup de régler la tension du joystick, c'est-à-dire la résistance ou une connerie comme ça. J'ai pas encore testé. Ou quatre petites palettes qui sont démontables. Il suffit juste de les pousser comme ça vers l'arrière. Et elles viennent toutes seules, elles sont aimantées aussi. Donc je vais le refaire ici. Voilà. Hop, il y a juste à les tirer comme ça, puis elles sont démontables. Voilà. Donc bon, on sent quand même qu'il y a de la qualité. Franchement, c'est vraiment cool. Donc là, du coup, on a aussi des petits sliders, hop, pour la course des gâchettes, avec deux niveaux, enfin trois niveaux différents, normal, middle, et vraiment très court. Petite sortie jack juste ici aussi, à côté de la prise un peu chelou. Elle se connecte en Bluetooth si l'appareil fait Bluetooth, donc il n'y a pas de dongle. Je pense qu'au prix, ils auraient peut-être pu en mettre un. Ici, du coup, on a une touche pour changer de profil. On a le droit à trois profils différents sur lesquels on va pouvoir avoir des raccourcis sur les palettes à l'arrière. Chaque jeu différent, du coup. Et bien, écoutez, à première vue, du coup, c'est une manette qui m'a l'air très intéressante. Et du coup, je vais aller la tester moi en jeu. Et je vous dirai, du coup, mon ressenti en jeu, si c'est bon ou pas, si ça vaut le coup ou pas de l'acheter. Sachant qu'elle est sortie l'année dernière, donc ça peut être un très bon investissement pour tous ceux qui vont, du coup, jouer sur PC plus que sur console. Après, je ne conseille pas forcément si vous êtes des pros Xbox de lâcher, puisque du coup, il y aura sûrement des nouvelles manettes avec les nouvelles générations d'Xbox qui vont sortir d'ici un mois et demi. À voir si ça vous intéresse de le faire. Je ne sais pas si ça sera compatible ou pas avec la prochaine génération d'Xbox. Pour commencer, il vous faudra télécharger le logiciel Access sur Xbox disponible sur le store de Microsoft. Une fois le logiciel installé, vous allez pouvoir assigner n'importe quelle touche sur n'importe quel bouton de la manette et changer la sensibilité des gâchettes ainsi que celle des joysticks. Une fois vos profils sauvegardés, vous allez pouvoir commencer à jouer. J'ai en actif une quarantaine d'heures de jeu avec la manette et aucun défaut à signaler. J'ai joué sur Rogue Nation et essentiellement sur Call of Duty Modern Warfare. En voici quelques extraits. Durant les sessions de jeu, cette manette est hyper agréable. Elle donne un réel avantage sur les jeux de type FPS, la finition, la taille, le poids, l'accessibilité des gâchettes, tout est vraiment bon sur cette manette. Tout comme sa durée de vie de batterie, environ une trentaine d'heures. Pour tous ceux qui cherchent une bonne manette à palette, ne cherchez plus. La voici.